et Van Damme avec Lukaku qui est parti dans l'espace. Lukaku avec Mangala, le centre de Lukaku vers Van Damme et très bel arrêt de Bollat, reprise de Lejar, but. Jonathan Lejar, le Liégeois. Après 7 minutes, Bollat n'a pas pu capter cet envoi. Et Lukaku est au départ. Jonathan Lejar est à l'arrivée. Alors on revoit le rôle déterminant de Lukaku dans ce but, qui gagne son duel, qui déborde, qui place la balle sur la tête de Van Damme, le bon réflexe de Bollat qui ne peut pas capter. Et Lejar inscrit là son 3e but de la saison en remerciant Mario. C'est donc certainement Mario Innorato, le préparateur physique du Sporting, puisque c'est la 6e fois consécutive que Lejar entame un match de championnat. Ça ne lui était plus arrivé depuis des lustres. Biglia. Fin de frappe, Canou maintenant, petit ballon de Canou au second poteau pour Lukaku qui marque, tête plongeante de Lukaku, croisé hors de portée de Bollat, le centre de Canou, Van Damme était au départ du premier but, Canou est dans un tout autre style, plus technique, moins athlétique, mais l'inévitable Lukaku a inscrit donc son 10e but cette saison et ce n'est que sa 11e titularisation en championnat. Deuxième coup de coin consécutif pour Jonathan Lejar. Un ballon qui tourne bien, que Youas reprend. Et dans le but. Elle va dans le but et c'est Youas. Je ne sais pas avec quelle partie de son crâne il a frappé. En tout cas, il a surpris Bollat. 0-3. On revoit le ballon donné par Lejar. Et regardez. Et non, je me demande même si ce n'est pas avec son dos Traoré qui a poussé ce ballon au fond des filets. On va revoir cela mieux, probablement sur ce ralenti. Youas arrive, oui, ce n'est pas Youas, c'est Traoré du dos qui inscrit ce but contre son camp à la 79e minute, sous la menace, il est vrai, de Youas. Lejar, le centre de Lejar, Mangala, c'est pas vrai. Oh, quel dimanche noir pour toute l'équipe du Standard, le malheureux Eliakim Mangala. Et en l'espace de 2 minutes, les joueurs liégeois ont marqué 2 fois dans leur propre but.